Parfois je me réserve une minute de silence pour penser au futur, et alors je repense à la gueule que feront mes pauvres héritiers sur mon testament vide comme un vieux bénitier. C'est alors que je jouis d'une joie bien malsaine en songeant aux requins de mes familles lointaines qui ont toujours bavé sur mes pauvres chansons, grâce à qui j'ai gagné des tonnes de pognon. Et oui, j'ai été riche et je le suis encore. Quand je passe sur un pont, c'est toujours un pont d'or. Et les fils de requins de mes familles lointaines se lèchent les babines en lorgnant mon domaine. Comme ils ne se sont jamais enquis de ma santé, ils ne peuvent pas savoir que j'ai tout dépensé, que je dépenserai tout jusqu'au dernier instant, et que ce seront eux qui paieront l'enterrement. Au salon du notaire, voilà ce qu'ils entendront: salut la sainte famille qui me prit pour un con. Le jour où ma maman décida de m'offrir la guitare d'occasion qui allait m'enrichir. Ah, vous avez bien ri de mes pauvres comptines, d'un rire qui grinçait dans mon cœur de gamine, un rire que je vous rends aujourd'hui, mes salauds. Écoutez bien ce rire, ça sera mon seul cadeau. Sur ces mots, le notaire se lèvera de sa chaise et les deux mains à plat sur son bureau Louis XVI. Ouvrant les maxillaires pour se fendre la pipe, il les écartera jusqu'à ce qu'on voit son slip. Puis il reprendra vite sa morgue et son sérieux. Pardonnez-moi, mesdames, excusez-moi, messieurs, mais pour ça le défunt m'a filé 2 millions. Si j'avais refusé, j'aurais été bien con. Mes pauvres héritiers, d'être venus, merci. C'est bien la première fois qu'on vous voit réunis. Pour souder une famille, il existe un ciment infiniment plus dur que l'amour, c'est l'argent. Cet argent que j'ai cru spirituel de claquer en achetant des conneries qui m'ont bien fait planer, tandis que tristement vous suiviez l'écureuil pour arriver bien riche aux portes du cercueil. Comme je ne suis pas méchante, je souhaite qu'au tombeau vous profitiez enfin de vos grands capitaux, car il est juste et bon qu'après tant de besogne, on s'offre des violons au grand bal des charognes. Hélas, je ne pourrai pas danser avec vous, j'ai trop valsé avec les garçons de chez nous. Allez, j'en ai fini, mais que Dieu vous bénisse pour accueillir vos âmes et les placer en Suisse. Parfois je me réserve une minute de silence pour penser au futur, et alors je repense à la gueule que feront mes pauvres héritiers sur mon testament vide.